va, c'est bon, monsieur le maquilleur. Tu vas. La lumière est bonne. Pas pourri. En plus, on voit les reflets des voitures, que chaque fois qu'elles passent, foum foum, ça fait un reflet derrière. Foum foum. Alors, pour toutes les pauvres filles qui m'ont connue à cause de la vidéo 1er avril et qui m'ont dit « Oh, ton homme, il paraissait horrible, mais non, il n'est pas du tout comme ça. » C'est moi qui suis comme ça avec lui. Salut tout le monde! Bon, ça y est, je peux commencer. Non, mais sérieux, ça fait 2 minutes. Oh, il y a un petit peu de clarté là, c'est bien. Ça fait 2 minutes que je filme pour rien, là. Je ne suis pas blondasse. Loin de là. Merci Cathy. Je... Arrête. Oh punaise. Salut tout le monde. Vidéo très inhabituelle sur ma chaîne. Je vais faire un haul, comme vous dites si bien. Un haul parce que c'est la première fois que je mets les pieds dans un body shop. Oui madame. Je savais pas qu'il y en avait un tout près de chez moi. Enfin tout près. C'est tout est relatif. Il est à une demi-heure de route, je pense. Combien de temps on a mis pour aller? C'est bon, allez, ça va marcher. Allez! 20 minutes. 20 minutes de chez moi, donc voilà. Et je ne savais pas du tout. Donc, première fois que j'y mets les pieds. Donc, ce qui veut dire très gros colis. Et très lourd, j'ai craqué mon slip, comme on dit. J'ai vraiment acheté beaucoup, mais... Ça faisait un sacré bout de temps que je ne m'étais pas fait plaisir. Donc voilà. Je ne me justifie pas, hein, je fais ce que je veux. Mais j'ai dit que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas acheté de produits de soins et tout ça. Parce que j'ai pris aucun cosmétique. On y va? On y va. Alors nous allons commencer par un petit parfum. Enfin un petit parfum, j'ai quand même pris le coffret parce qu'il sentait trop bon. Coffret très cute, hein, vous voyez, bleu avec un petit nœud. Hop, élastique. Mais je trouvais vachement avantageux de le prendre en coffret K2. K2? K2? En préfet. Je ne sais plus parler. Donc je trouvais vachement avantageux de le prendre en coffret cadeau. Parce que ça coûtait déjà moins cher, bien sûr. Le prix 25€, le coffret. Alors, ce qu'il y a dedans. À part la jolie boîte qui me servira, c'est clair et net. Arranger plein de petites choses dedans. Voilà ce qu'il y a dedans. Il y a un gel douche. Un gel douche, bien sûr, de la ceinture du parfum, que j'arrive pas à retirer. J'arrive pas. Voilà, j'ai déjà compris qu'il ne servira jamais, je me suis partie des produits. Je vais essayer de prendre la tête comme ça. Ah, d'accord. J'arrive pas. Bon, c'est bien, c'est quoi cette arnaque? Donc, dans ce coffret, il y avait le gel douche body wash. C'est le Dreams Unlimited. Je vous montre le nom du parfum. Voilà. Et il sent trop bon. Il sent trop bon. C'est vraiment une odeur que j'adore. Et c'est très fruité, c'est très frais. Enfin, c'est voilà. C'est tout ce que j'aime. Et le gel douche sent exactement la même odeur que le parfum, ce qui est vachement pratique et logique. Donc 25€, à savoir que le parfum tout seul, je crois dans cette petite version là, coûtait déjà, je crois que il me semble ce que j'ai vu, il me semble que j'ai vu 23,99€, donc 23,99€, juste le parfum, donc forcément ça vaut le coup de prendre le petit coffret. C'est bien avantageux. Voilà, j'ai mis 10 minutes à parler d'une chose, on n'est pas dans la merde. Alors je continue dans tout ce qui est gel douche, puisque j'ai parlé du gel douche avant. J'ai pris 3 gels douche et c'était 12€ le lot de 3, alors que normalement c'est 6€ un. Donc j'en ai eu un gratuit, forcément. Il y avait pas mal de senteurs, mais j'ai surtout craqué pour 2 senteurs, donc j'en ai pris deux les mêmes. J'ai pris concombre menthe, celui-là c'est un vrai bonheur, ça sent le frais, ça sent les vacances, ça sent l'été. Voilà, moi ça me fait penser à ça. Et j'ai pris pastèque eucalyptus, pareil, un petit peu plus doux, mais pareil, très frais. Et c'est vraiment, je crois que je vais prendre beaucoup de bonheur à me laver. Ce que je faisais avant aussi, hein. Attention, pas déformer ce que je dis. La contenance 250 ml, donc c'est quand même une belle contenance, je trouve.
Alors, je me suis pris une crème duo. Duo, pourquoi? Parce qu'il y a le beurre corporel d'un côté et la lotion, enfin, le lait pour le corps. C'est fermé, vous ne voyez rien. Je vais quand même l'ouvrir pour que vous vous rendiez compte comment ça se présente. Et ça sent trop bon. Alors, par contre, sur la boîte, il n'y a pas marqué grand chose. Je vois qu'il y a des baies. Donc, à mon avis, c'est aux myrtilles. Si vous pouviez me renseigner, je vois pas, c'est pas du tout marqué, c'est marqué acai floral, mais floral pour moi ça veut rien dire. Non, j'ai pas trouvé, de tous ceux que j'ai sentis, c'était ceux-là que je préférais comme odeur parce que ça sentait évidemment le fruit et un peu la fleur aussi, mais pas trop. Ça devait rien perdre. Donc voilà comment ça se présente. Donc d'un côté, vous avez le lait, enfin le lait qui est plus crème. Voilà. Et de ce côté, vous avez le beurre, donc là qui est vraiment qui est compact, quoi. Et ça sent trop. Ah, j'adore. J'adore l'odeur. Ça m'a coûté 17 euros. C'est vrai que c'est un investissement, mais je suis pas du genre à me tartiner 3 litres tous les jours, donc je pense que ça va me durer assez longtemps. Et alors, c'est marqué sur le ticket, beurre corporel duo, acai floral. Acai, pourquoi acai, je ne sais pas. Acai, je sais pas. J'ai aussi pris, ça c'est pour le visage, je vous montrerai après. J'ai pris des petits savons, enfin c'est Laura qui les a vus. Des petits savons en forme d'animaux. Et j'ai trouvé ça trop choupi. Et ça sent trop bon, c'est très fruité. Donc il y a une tortue, il y a un genre de dauphin, un éléphant, un ours, voilà. Ça c'est pour la petite puce. Et ça a coûté, J'ai du mal avec les prix. 2,50€. J'ai trouvé. Donc 2,50€, les 1, 2, 3, 4, 5 petits savons. 50 cents de savon, c'est quand même pas mal. Bon, maintenant on va parler visage. J'ai acheté, je crois, un des best-sellers de Body Shop. Parce qu'à chaque fois que je regarde un haul de Body Shop, à chaque fois je m'entends parler. Donc je me dis que c'est quand même quelque chose qui est vachement connu. Donc c'est le nettoyant purifiant visage à l'arbre à thé. L'odeur est très agréable, ça sent le frais. Bon, voilà, moi j'aime pas les odeurs trop fortes et trop, enfin, trop lourdes. Donc là ça sent vraiment le frais, c'est très agréable. Donc pour éliminer les impuretés et pour rendre la peau plus nette, je n'ai pas encore testé. Tout ce que j'ai vous montre là, je n'ai vraiment rien testé, c'est vraiment un haul. Hop, et puis après je vous ferai des revues plus particulières, on verra bien. Pour vous donner mon avis. Et alors toujours pour le visage, je suis toujours à la recherche. Je suis essoufflée. Je suis toujours à la recherche d'une crème de jour matifiante qui me convient parce que j'en ai essayé vraiment beaucoup et je n'ai jamais trouvé la bonne crème matifiante, ce qui matifie toute la journée et qui m'hydrate quand même la peau sans me la dessécher. Donc je me suis tournée vers ceci. Qui est la crème aux algues de jour matifiante pour peau mixte grasse. Donc hydrate les zones sèches tout en maîtrisant l'excès de sébum et la brillance. J'espère franchement que ça marche. 16 euros. 9 euros, je ne l'avais pas dit. 16 euros. J'espère vraiment que ça fonctionne. Il y a 50 ml. C'est une contenance assez correcte. C'est comme ça. Alors c'est un peu bizarre, ça, on dirait un peu de la gelée. Alors j'ai essayé sur la paume, enfin sur la paume, sur le dos de ma main et l'aspect est assez incroyable. C'est vraiment comme une gelée et alors quand vous avez fini, vous avez l'impression d'avoir vraiment comme une poudre, c'est très velouté et elle sent très bon aussi, donc c'est parfait. Voilà, il y a encore d'autres choses qu'on a achetées parce que Richard était avec moi, mais il ne veut pas que je les montre parce qu'il veut faire lui-même le haul. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, je vous préviens, c'est son premier haul, hein, donc ne vous attendez pas à ce qu'il y ait que ça. Je vous mets le lien de sa chaîne ici en bas, la chaîne de Riri, pour voir le haul qu'il aura fait sur les produits Body Shop qu'il a acheté pour lui. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour la revue complète peut-être de chaque produit, je ne sais pas. On verra bien et puis c'est tout. Ciao! À la prochaine!
Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle tête! Regardez, j'ai changé complètement! Oh mon Dieu, que je suis belle!